Salut Mathieu. Salut Ben. Écoute, félicitations là, pour la verticale à la Tour Eiffel. Il nous a fait quelque chose de stratosphérique. Justement, on t'a donné le gilet lesté il y a quelques semaines pour tes entraînements. Donc, je voulais avoir un retour de ta part sur ce gilet. Comment tu l'as exploité pour tes entraînements? Eh ben, il m'a apporté énormément de plus-value dans mes séances, notamment sur une charge de 5 kg que je n'avais pas l'habitude de mettre habituellement. Super bien réparti avec des coutures et du sable dedans. Et puis ici, un système de sangles vraiment intéressant pour avoir un maintien maximal. Donc je les ai utilisés principalement sur mes séances de côte et d'escalier pour casser un maximum de fibres et puis se sentir plus léger le jour J, quoi. La question que je me pose, c'est au niveau logistique. Pour les clients qui ne courent pas autant que toi, il n'y a pas un risque pour les chevilles, etc., pour aller travailler avec ça? Voilà, alors ça peut effectivement tasser un peu les vertèbres si on court beaucoup avec. Donc ce que je conseille, c'est de le mettre uniquement pour les côtes. Donc garer la voiture tout près des côtes, faire son petit échauffement et ça récupère un vide et puis l'utiliser uniquement pour la séance. Ok, écoute, merci Mathieu. Moi, ce que je propose à nos clients, c'est qu'ils nous retrouvent sur l'application Decathlon. Donc bien se référencer en tant que runner, éventuellement crossfit, enfin cross training. Et c'est de le faire gagner, quitte à ce qu'on tire au sort si besoin, à celui qui va trouver le temps exact que tu as mis pour gravir donc tous les étages et les marches de la Tour Eiffel. Au centième près alors. Au centième près, voilà. D'accord. Mathieu, on fait comme ça. Merci à toi et merci. À bientôt. À plus.